Si tu veux, j'ai eu toute la hype de la découverte du recrutement des personnages sur le 1, le château, le machin. Du coup, j'étais trop contente de découvrir tout ça. Et sur le 2, bah, c'était juste une histoire bien plus sombre. Par contre, il y a plus d'histoire, je trouve, que dans le 1. Ouais, je pense que Golden Sun, ça va faire pareil. Il y a des jeux comme ça où tu peux pas savoir si c'est mieux ou pas. Pour moi, c'est une continuité, très clairement. Alors, juste que je vous montre ce que j'ai fait. J'ai dû passer 1 heure et demie dessus. Bah, apparemment, Akira, il est vraiment excellentissime, Legend of Dragoon, donc on va voir ça ensemble. Coucou Shadak. Alors, je vais vous montrer, du coup, quand même, alors, le truc le plus important aujourd'hui, c'est de vous montrer, bien sûr, le garçon pissant que j'ai looté, que j'ai fait évaluer par un expert et qui m'a dit c'est un garçon pissant. Bon, je pense que là, on est bon. C'est dommage que Mokapon soit pas là. Je voulais lui montrer. Je voulais à 2 doigts de MP Mokapon ce week-end. Ensuite, du coup, j'ai farmé un petit peu. J'ai gardé Shaco. J'ai gardé Shaco. Par contre, au niveau des runes, alors, j'ai remis une rune d'eau à Shaco, une rune de feu à Jean-Lu. Ah non, rune de feu à Shaco aussi pour attaquer tout le monde. Et voilà. Et j'ai remis une rune d'eau aussi à Jean-Lu plutôt que de rune de raise parce que les runes de raise en fait ne sont pas cumulables. Donc voilà, X n'ayant pas de runes, c'est pas grave parce qu'en fait on a découvert que X et Tengar, il faut les unir à 100% et du coup on défonce tout le monde. Et voilà, donc c'est vrai Julius? Ah ça c'est trop bien. Et coucou Veracruz, ça va? Félicitations, c'est un garçon puissant, l'expert m'a dit. Bonjour Chichi, ça va? En vrai, il a pas retenu plus que ça. Ça va, il a pas t'as spoil, mais ça va. Bonjour Oni, bonjour Toshi, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un bon week-end. J'ai commencé une série, All of Us Are Dead, qui est issue d'un webtoon, et moi, je kiffe les webtoons. Et j'aime bien. J'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc de zombie. Tu l'as vu aussi? Là, je suis à l'épisode 9, je crois. 8 ou 9. Ouais, j'ai bientôt fini. Eh ben, voilà, c'est ce que j'ai dit. En fait, je l'ai conseillé à ma mère aussi parce que ma mère et mon beau-père adorent les séries de zombies. Alors, attendez, on va faire un truc. J'ai tout prévu. Donc, on va couper la musique du son du jeu et je vous ai préparé l'OST comme on a fait la dernière fois. Sinon, ça va pas aller. Et en fait, ouais, c'est ce que j'ai dit à ma mère, à mon beau-père. Je fais, vous fiez pas au côté un peu nanar du premier épisode. Ça commence vraiment au deuxième, troisième épisode. Où vraiment, là, ça pète. Allez, on y va. Vous me dites si l'OST est trop forte. Il y a des chances. Je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, je vais la mettre comme ça. C'est vrai? Eh ben, c'est ce que j'ai dit à ma mère et mon beau-père. Parce que je connais mon beau-père. Et vu comment ça commence. Bon, il allait dire j'accroche pas du tout. Et en fait, ça pète vraiment au bout du deuxième, troisième épisode. Il faut s'accrocher. Hein. Le premier, ça fait un peu nanar et tout. Et en fait, ça devient trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Jambe gauche, rune, tête droite, c'est ça? Jambe gauche, rune, tête droite. Ah bah Kingdom, tu vois, ça m'attire pas, mais j'en entends tellement du bien. Ouais, pourquoi pas. En plus, il y a un acteur trop bien dedans, donc je pense que là, du coup, faut faire de l'attaque pure et dure ici. Bon, cette fois, ça devrait être bon. J'ai farmé. C'est vrai, c'est bien Kingdom. Ok. Moi, j'ai kiffé. Bah, c'est pas une série, mais j'ai kiffé le dernier train pour Busan. Et je sais pas pourquoi, il faut que je sois dans le mood zombie. Alors que j'adore ça, hein, mais je sais pas, j'ai des périodes. Bah moi, je kiffe les films d'horreur en vrai. Hein. Monsieur Coquille, lui, il aime moins. Il me dit, c'est toujours, il y a que toi qui regardes des trucs bizarres. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il regarde un bout de ce que je regarde, c'est vraiment, c'est bizarre, tu vois. Je sais pas pourquoi. Regarde pas Peninsula. Ouais, apparemment, le 2 est nul. Non, je regarde pas. Alors, j'ai vu La Fille des Enfers,
que j'ai adoré, parce que bon, en fait c'est plan-plan La Fille des Enfers, dans le sens où un épisode égale une histoire, égale toujours la même chose. Je sais pas pourquoi j'ai rush toute La Fille des Enfers. Kitaro, j'aime beaucoup aussi. J'ai pas tout vu, mais j'accroche beaucoup. Et après, Zetman, à la limite, mais Zetman, c'est plus un manga. Enfin, j'ai plus les mangas, du coup. Et j'accrochais beaucoup Toko, mais il y a que 3 bouquins. Et ils ont jamais terminé le truc, alors que Toko, c'était trop bien. J'étais déçue. En fait, je crois que c'est Toko, il m'a fait arrêter les mangas. Ça marche, Dark, ok. Shin-chan, ouais, j'avoue, j'aime trop Shin-chan aussi. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Toshi. Non, mais moi, j'aime bien les trucs sanglants. J'aime bien les slashers, ça me détend, en fait. Je sais pas pourquoi ça me détend. Je sais pas, je regarde un slasher et en fait, c'est no brain. Ça me va. Ben, je regarde... J'ai pas Netflix, du coup... si, là, je regarde All of Us Are Dead et on m'a parlé de... Alors, la dame qui habite en face de la fille, qui habite en face de la fenêtre de la dame, un titre un peu comme ça. Ça a l'air bien, apparemment. Eh ben, je vais regarder aussi. C'est sur Netflix. J'ai transpiré rien qu'à dire le titre. Ça me détend. Ranking of King. Oh, je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître. Il y a beaucoup de gens qui regardent des animés et tout. Ah, Toko, t'as vu pas de suite alors que c'est trop bien. Si, après j'ai lu quoi? J'ai lu... les trucs là, Escape Game un peu là, comment ça s'appelle? Comme Judge. C'est ça, Judge? C'était bien, ça va. Ah, c'était prévisible. Si, j'ai lu ça. Coucou Bocapon, Bocapon! J'ai failli t'envoyer un MP. Un MP ce week-end. Après, je me suis dit non, je vais pas abuser. J'ai looté un garçon pissant. Trop contente. Genre, c'est l'événement de la journée. J'ai looté un garçon pissant ce week-end en farmant. Trop bien. Coucou le vrai Drakechar, ça va? Squid Game, moi, j'ai regardé, ouais. Bonjour Monsieur Florine, ça va? Ça va, ça va. Je savais que ça allait te faire rire. C'est vrai? Bon, en fait, moi, je trouve que c'est abusé. Il y a trop de sang partout, c'est... Il pisse du coup, je sais pas. Oh, 1200 et quelques. J'ai pas osé, je me suis dit, vas-y, c'est le week-end. On se repose. Après, j'allais pas te dire, chez Seldel... J'ai looté un garçon pissant, tu vois. C'est trop bizarre. Parce que je t'ai vu chez Seldel et après je me suis dit, non, je vais pas lui dire. Il va se demander, il va se dire, on est bizarre un peu. Non, je l'ai gardé dans mon inventaire. Je l'ai gardé, j'ai dit, je le garde. C'est mon porte-bonheur. Merci Docaric pour le sub, merci beaucoup. Alors, c'est le boss de fin, ouais. Apparemment, on sait pas. On sait pas. Mais j'ai appris... Alors, je l'ai pas battu, en fait. Normalement, on aurait dû commencer Legend of Dragoon aujourd'hui. Mais je pouvais pas pousser mon stream et j'avais pas forcément envie de recommencer encore une fois le boss. Donc, du coup, j'ai un peu appris comment marchait le boss de fin... C'est quand la dernière fois que j'ai streamé, vendredi. Donc ça devrait bien se passer. J'ai farmé un peu pendant le week-end, j'ai réoptimisé ma team. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, donc j'avais appris qu'il fallait absolument tuer la jambe gauche, parce que c'est la jambe gauche qui nous met des altérations d'état. Mais là, a priori, je m'en suis mangé quand même pas mal, des altérations d'état. À savoir que je sais plus si les altérations d'état, elles sont pour toute la partie,
enfin toute la toute fight. Aussi c'est genre 10 tours et après ils sont guéris. Bah après ça va le faire, c'est juste que c'était les altérations d'état qui me mettaient pas bien. Et Jean-Louis, il lui manquait une rune en fait. Mais là ils font n'importe quoi, hein. Là clairement c'est pas moi qui joue là. Ouais, la lune dans la tronche, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est la tête droite. Oui, c'est celle-là, c'est la tête droite, et la tête droite, c'est pas bien. Elle fait super mal. Après, j'ai oublié de repousser la magie. J'aurais dû repousser la magie, j'aurais pas eu d'altération d'état. Je pense que ce premier fight, il va pas être gagné. Si, je l'ai Arceus, mais comme je suis sur SMT5, bah pour l'instant, Arceus, j'y ai pas touché. Ouais, parce que là, du coup, ils attaquent tout sauf la jambe droite, la jambe gauche. Donc c'est compliqué. Là, ils font tous n'importe quoi, en fait. Ouais. Donc pour ceux qui se demandent, vous entendez pas le son des attaques parce qu'en fait il y a des gros bugs auditifs et surtout sur le boss de fin et du coup j'ai juste mis l'OST sur YouTube en boucle comme ça, pas de soucis. Ah c'est bon, je peux enfin reprendre le contrôle de mes personnages. Donc jambe gauche, la rune d'eau de Shaco pour soigner tout le monde, Tengar et X qui sont ultra forts. Bon, Jean-Louis, pareil, on va attaquer avec la jambe gauche. 520 heures sur Isaac. C'est vrai, je suis à 520 heures. Ouais, ça m'étonne pas. Et toujours aussi nul, hein. Comme si c'était la première fois que je lançais le jeu. Ouais, seulement. Et pourtant, j'y joue tout le temps. Genre, j'y joue au moins 3-4 fois par jour. Shaco. Ah mais la jambe gauche elle était morte en fait. Ok. Ensuite rune. Rune ou tête droite. Rune ou tête droite. Je crois la rune elle prend pas. Enfin elle a pas beaucoup de dégâts. Rune tête droite. Ouais hein. Rune hein. On avait dit hein. Je pense que c'est mieux. Attaque croix sur la rune, je crois que c'était ok, et je crois que la rune elle craint les éclairs, mais je suis pas sûre, j'ai peur d'essayer des trucs maintenant. Non, ça fait pas non, ça fait pas 2 mois, c'est depuis cet été, 520 heures. Ça va, depuis cet été, non? Je crois que ça fait beaucoup. Non, ça va. Le heal à 5 PV, ouais, c'est une espèce de petit... c'est un chapeau, je crois, qui me met, qui me heal à 5 PV. C'est un bonus. Ouais, j'avoue, j'abuse sur Isaac. Mais je passe ma vie dessus, en fait. D'ailleurs, mon chat est fan d'Isaac. Mais vraiment. Et elle est fan d'Atomium. Je sais pas pourquoi. Hier, je vois Isaac, donc à fond sur Isaac. Elle voulait le papate, je sais pas, elle doit voir qu'il pleure, je sais pas. Elle est émue face à Isaac. Et d'un seul coup, elle a vu que, je sais pas, elle a vu Atomium à côté. Elle a arrêté de regarder Isaac et elle s'est posée devant le stream d'Atomium. J'ai pas compris. J'ai fait bon, bah, elle a trouvé son streamer préféré, je crois. Et je pouvais plus rien faire, hein. Vraiment, il y avait Rune Factory, il y avait... J'ai pas compris. Bon bah maintenant je sais que si elle fait des bêtises... Hop, une rediff, une VOD. Trop fan. Tu veux qu'on lui demande un autographe pour le chat? Ouais, j'ai pas compris.
Hop. Il sera ravi de faire une dédicace pour un chat. Non, c'est bon. Comment on justifie ça, nous, après? Il a peut-être une voix qui détend. C'est possible. Je sais pas, elle était fixée. La rune est morte. Ok, ça se passe bien. Alors, ensuite, si je fais l'attaque croix, on a dit quoi? Tête droite, hein. Je crois que tête droite, c'est mieux, hein, on avait dit. Parce que je crois que j'avais commencé à focus... j'avais commencé à focus la tête... la tête gauche, et je crois que c'est la tête droite qu'il faut qu'on, absolument qu'on focus. Bon, ça se passe bien. Bonjour Subakov, ça va? Alors, est-ce qu'on est bon, là? Je crois que la rune, elle faisait une rune de défense, un peu. Elle m'empêchait un peu de... Ouais, c'est ça. 992, là, l'autre à côté. C'est ça? La rune, elle empêche la magie sur le reste? Oh, il est assommé! Ok, ça fait pas de dégâts. Ok, 1026, ouais, c'est ça, en fait, c'est Tengar. D'ailleurs, j'ai mis Tengar en arrière-plan. Ça se passe bien. J'ai farmé 3-4 levels. Rien de... Je pense que les 32 de dégâts, ça fera pas. Par contre... flammes dansant, tout ça, c'est pas fou. Par contre, je vais repousser la magie un petit peu. Bah, pareil, X et Tengar, hein, tête droite. Hop là. Je te spoil la fin du jeu? Ah. Ça dépend. Et tu t'es arrêté où? Je suis dans le déni pour l'instant. Je suis dans le déni pour quelque chose. J'attends confirmation. Tout le week-end, ça m'a rongé. Quel ennemi drop des garçons pissants? Eh ben, en vrai, je sais pas. En fait, je suis partie me balader sur toute la map. D'ailleurs, j'ai rencontré un personnage à recruter. Je crois que j'en ai pas recruté. Il y a juste un personnage qui... Vous savez, celui qui est habillé tout en rouge avec son chapeau, là. Je suis montée... Oh là! Attendez, la tête droite! Elle est morte. Oh, ça... Je pense que là, en vrai, on est bon. Hein. C'est vrai, Afflux? Ok. Ok, ok. Ah, vous me direz. Par contre, en vrai, je veux bien que vous me disiez, attention, il y a un bug à certains endroits où ça peut... je veux bien. Pour le coup, j'autorise. Jambe droite. Jambe droite. On va res Chaco. Vent curatif sur Tengar, parce que Tengar, elle est plus importante. Jean-Lu. Pas de magie pendant 3 tours, ça, on s'en fout. Une petite lumière vive. Ouais, si, allez. Ah, sur le jeu d'origine, parce que moi, j'ai le jeu d'origine, mais là, je vais l'émuler. Mais ouais, je veux bien que vous me disiez. En plus, si c'est sur le truc d'origine, je ferai des saves. À quoi que je sais pas se faire de save tête sur Dockstation maintenant, parce que je suis obligée de passer par Dockstation. Bon, l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire des save states. Merci pour le défi. T'as jamais eu de soucis? Ok. C'est peut-être une combinaison de... d'objets, enfin de... tu sais, de peut-être... combinaison de façon de jouer, enfin je sais pas comment expliquer. Le mec qui ressemblait à Carmen Sandiego, exactement, Mocapo. Et ben, en fait, il fallait juste que je monte à l'auberge de mon château, et il était là en train d'agresser... le chercheur de... Vous savez, le gars avec son herbe, là, qui était blasé d'avoir trouvé une herbe. Et en gros, il y avait une scène comme quoi il lui a demandé ce qu'il avait trouvé et tout, et lui, il lui a dit « C'est ça que j'ai trouvé, ma famille, et l'amour de ma famille. » En gros, il lui a dit ça. Et après, il est parti, et j'ai pas réussi à le recruter. «
le mec inutile là, ouais, lui. Il lui a dit c'est l'amour de ma famille et tout, enfin bref, c'était beau. Mon Chaco, tu gâches tout là. Bonjour le matheux gâteau, ça va? Bah je sais pas, s'il a appris, hein. Oui, il a appris que c'était important la famille, mais l'autre, je sais pas s'il a appris. Il a dit ok, je vois, et il est parti. Allez, 1000. Ils sont trop forts, X et Tengar, en vrai, hein. Oh, Chaco. Bon, Chaco, je le reste plus, m'agace. Bonjour, Monsieur Sapin. Ah bah oui, là, c'est sûr que t'arrives à la fin du jeu, donc... Difficile de pas se faire spoiler. D'ailleurs, en plus, il y a un ordre pour le boss. Je te laisse deviner, du coup. T'as... Enfin, je sais pas s'il y a un ordre, mais en tout cas, c'est celui que j'ai choisi et ça se passe très bien. Jambe droite. X et Tengar, obligé... Soigne 300 HP, j'ai besoin de ça? Non. On va prendre le petit plutôt. Je vais juste faire un truc. M'en voulez pas. Je triche au cas où ça plante comme le dragon chiant. Parce que là, je viens gagner. Ça m'embêterait vraiment. Que d'un seul coup ça fasse bip et qu'après ça meurt. Vraiment, ça m'embêterait. Bonjour Matflou. Je vois un loup à deux têtes. Ouais, c'est le boss. Ça devient compliqué, mais ça va le faire. Quoique, c'est vrai qu'il m'attaque 12 000 fois. J'avais oublié que ça, qu'il m'attaquait 12 000 fois sur la fin. Il est pas content. Allez, tête gauche. Je crois qu'elle a pris cher déjà la tête gauche. Rune. Rune d'eau. 70, vas-y. On y va. Ça le fait. Chaco, s'il est pas... Tant pis, s'il est mort. Ah, je l'ai retraillé quand même deux fois. Il a une petite difficulté qui me plaît bien. Bon, X et Tengar, ils vont lui mettre 1000. Ouais, c'est ça, il attaque toujours autant. Bon, après, il se mange 1500 par tour. En fait, faut pas qu'il tue ni X ni Tengar. C'est vraiment X et Tengar, le couple qui carry. Ok, Flick, il a pris. Flick, merci de ton sacrifice. Oh, punaise, il attaque combien de fois, là? Non! Oh là là! On y va! Je transpire. Hein. J'ai pas de raise. Si, mais ça sert à rien de raise. Ça sert absolument à rien. Là, faut bourrer. Mort subite! Vas-y, meurs! Soigne 300 HP, je m'en fous, je prends. Reste par terre, Chaco! Grave! De toute façon, je peux pas les raise. En fait, si tu veux Drakechar, si je raise, je perds un tour. Parce qu'en fait, il va... je vais raise à 150. Il va m'attaquer 3 fois. Donc, il va me tuer le gars qui est en train de mourir. Et en fait, ce sera un tour de moins que je vais perdre. C'est un tour que je vais perdre à soigner ceux qui restent. Donc, ça sert à rien que je les raise. C'est bon. Allez, Victor, mort subite. Allez, s'il te plaît. Non, je reste pas full vie, donc ça sert à rien du coup. Ouais, ça vaut pas le coup. Oh là là, mort subite. Ça a marché. Ah là là, c'est bon. C'est bon. Merci pour le GG.
Attends, j'ai peur là parce que ça a planté ou pas? Ça a planté ou pas? Non, ça a pas planté. Je refuse. Non. Je veux pas que ça plante. Merci pour les GG. Bon, c'est la fin du jeu. Non, ça a planté. Arrêtez les gars, ça a planté. Arrête. Julius, tu... Non. Attendez, je vérifie un truc. Je comprends pas. Oh, ça a planté. Est-ce qu'on doit attendre? Merci quand même pour les GG, mais... Julius qui se marre. C'est normal ça ou pas? Un peu abrupt, hein. Bon bah... Normalement, ça doit enchaîner direct. Ça a planté. Ah. Bon, bah voilà. Vous comprenez pourquoi... Vous comprenez pourquoi j'ai fait une safe state. Je vais remettre l'OST parce que sinon... Oh, je suis deg. Ouais, je vais pas la mettre sur YouTube, la fin. Je vais... tant pis. Oh, bah je savais que ça allait bugger. Ça m'énerve. Allez, je remets l'OST. Bon, par contre, j'annonce, ça replante encore, tant pis, hein. C'est mort subite, en fait, c'était pas prévu que je fasse mort subite. Bon, bah... Super, je suis ravie. Bon, au moins, on sait que c'est largement faisable. Mort subite du jeu. Ça me dégoûte. Attaque croix, tête gauche. Bon, en tout cas, il reste que cette tête-là, donc j'ai bien fait d'avoir fait la save. Jean-Luc, s'il te plaît, soigne-nous. Congratulations, grave, c'est la fin. Allez, merci, salut. Non, non, il reste que la tête. C'est bon, j'ai juste à bourrer, mais ça m'a saoulé là. J'avais save pile poil au moment où j'ai tué la dernière jambe. Dans le doute, je retente pas mort subite, hein. Tu peux aller manger mon capon. Je refais exactement la même chose. Exactement la même. Elles deviennent fous parce que X est mort. Non. Attends, on va le raise. Calme-toi. Hop. Voilà, on va le raise. Calme-toi. Soigne complètement un allié. C'est bien compliqué là. Je vais te retester mort subite, mais... Allez, un petit vent curatif à Jean-Lu, c'est le plus important. Tengar, calme-toi, tout va bien. Hop, on va soigner Flic. Jean-Lu, s'il te plaît. Jean-Lu, on va soigner Victor. Voilà. Je veux voir la fin. Moi aussi, j'aimerais bien voir la fin. Arrête de planter le jeu, s'il te plaît, c'est pas drôle. La durée de vie artificielle, ah, mais je suis dégoûtée. J'en étais sûre en plus, c'est pour ça que j'ai pré-shot la save state. J'en étais sûre. Puis là, ça va être un peu mal barré parce que X, bah, c'est pareil, il est debout, mais il est pas soigné, quoi. Il va pas esquiver, hein. Je pense qu'il va remourir. Ça va, là, il attaque Jean-Luc.
T'as eu ça sur le boss de The Legend of Dragoon. Oh. Voilà, il m'a retué X. Bon alors, faut que je reste avec Jean-Lu, parce que comme ça, Jean-Lu, il passe en priorité. Ouais, je vais faire ça. J'ai vraiment besoin de X et Tengar. Alors. Bon, déjà, je peux unir en attaque croix. Ensuite, Tengar. Qu'est-ce que je peux mettre ? Repousse la magie, vas-y, pourquoi pas. Ouais, mais le truc, c'est que si je... Ah, mais c'est Jean-Luc qui prime, c'est chiant. Afflux, il casse tous les jeux. Bon, tant pis, je vais jouer sans X et Tengar, hein. Oh, je suis dégoûtée, j'avais un bon truc. Je crois qu'ils mettent pas autant. Ouais, ils mettent 594. Ok, et Tengar, elle vient de tanker. Ok. Is ok. Oh, mais arrête. Ok, c'est Jean-Lu, c'est bon. Oh, je suis dégoûtée, je l'avais tué en plus. Bonjour, c'est Krusty, merci pour le follow. Alors, rune d'éclair. Ah, mais attendez! J'ai pas utilisé mon tir de Thor! Ah, bah voilà, c'est bon, c'est win. C'est bon, c'est gagné. On va lui faire un petit dégât, histoire de... Je sais pas, moi, je sais plus. Normalement, le tir de Thor, ça lui fait au moins 1000. 1000, 2000, je sais plus. Je crois que c'est fort. Voyons voir. Attendez, je vais faire un truc. Voilà. Au cas où. On veut voir la fin, nous. Oh, 613. Oh, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon. Bon. Je touche plus à rien. Oui, non? Oh non, je crois que ça bug. Non. Arrête, le jeu. Quel naze. Oh, c'est nul. Oh, ça bug. Je peux pas finir le jeu. Ah ouais, c'est déprimant. Est-ce qu'il y a un autre boss après? Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Est-ce qu'il y a un autre boss après ça, en vrai? Parce qu'il y a Joey encore. Ah, ça me saoule. Oh, je suis trop triste. Allez. Tout ça pour ça, quoi, sérieux. Bon. Bon, bah, super. Ça, ça veut pas, hein. En plus, ça... Attendez, si je remets le son du jeu, ça fait quoi? Est-ce qu'on a du son? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il dit? Executed, illégal... Quoi? Ah, je peux pas... Bah, c'est PSX, mais il est nul, PSX. Il pue. Je le supprime après. Bon, bah, écoutez, je peux pas faire mieux. C'est nul. Bah oui, bah forcément, bah oui, après il y avait un combat avec Joey, bah oui. Forcément. Bon, bah écoutez, je suis désolée, je peux pas finir le jeu et je suis trop triste, je suis trop dégoûtée.
Oui, mais PSX, il est cassé. En fait, je peux pas jouer à Legend of Dragon dessus. Et je me suis dit que ça irait pour la fin de Suikoden, mais apparemment, ça va pas. Chier, je voulais même plus faire de fin YouTube. Bon, bref, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a tué, là, Jean-Michel? Je pense que c'est l'émulateur. Ok, bon, bah, qu'est-ce qui se passe du coup une fois qu'on a tué le boss? Ah, ok, je regarde. Donc là, on l'a tué. Ok, bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Des os, hein. Des os, des os. Comment je fais moi maintenant? Comme ça? Bah, j'aurais voulu. Ouais, j'aurais vraiment voulu vivre le jeu. Oh, je sais même plus mettre en mode, je sais plus quoi, mode studio, voilà, pour vous montrer. Hop. Alors. Je vous mets du coup la fin sur YouTube. Super, moi qui arrêtais pas de dire que j'aimerais bien qu'on arrête avec ça, et ben voilà, j'y retourne. J'y retourne, j'y retourne. Je sais même pas vous mettre la fin sur YouTube. C'est terrible. Je suis tellement dépitée, mais vraiment genre, je suis vraiment trop triste. Hop, je vais vous le mettre comme ça, hein, tant pis. Des coucous. Des coucous Connecticut, ça va? Oh, je suis tellement déçue. Hop, voilà. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Hop. Donc, du coup, ça se présente comme ça. Ouais, il avait planté lors du dragon squelette. Donc, ok, donc on l'a battu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà. Et là, ça marche, là. Coucou, Végito. C'est vrai, toi aussi. Ah, je suis dégoûtée, tu vois. Je peux même pas finir le jeu. Bon, bah tant pis. J'espère que Legend of Dragoon, on aura plus de chance. Bon, bah bref, on va faire comme si je l'avais terminé. Vous validez que j'ai quand même fini le jeu. Ouais, il est niveau 99, mais... Ah, c'est la chambre. Oui, bah je vais pas vous faire les dialogues, ça va trop vite. Bref, donc il y a ça qui se passe après, ok. Et je sais pas dumper les jeux. Sinon j'aurais essayé de dumper mon jeu. Ça aurait été mieux, mais je sais pas faire. Parce que je l'ai chez moi à la maison, mais du coup j'utilise l'émulation parce que bah ça coûte cher de faire son vrai jeu et j'ai pas la place et aussi je sais pas dumper. Mais j'ai le vrai jeu. Bon, vous validez alors que j'ai quand même fini le jeu. T'as des émus qui peuvent lire les CD? Ah ouais, j'ai un lecteur CD, ouais, carrément. C'est vrai? Ah, j'ai jamais essayé de... Bon, bref, du coup, le château s'effondre. Les gens s'inquiètent de savoir si Jean-Luc va revenir ou pas, sain et sauf. Ouais, si, j'ai un lecteur CD. C'est la fin sans 8 étoiles. Bon, c'est pas grave, on verra la vraie fin comme ça. Bon, tout le monde s'inquiétait, tous les copains, ils sont contents de me revoir. Merci Souakov pour le sub, merci beaucoup. Ça s'est pas affiché, mais je l'ai vu sur Streamlabs. Ah bah si, c'est bon. Voilà, je voulais arrêter. Ah, c'est tout! Genre, salut Jean-Lu et bah d'accord, super. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais ça c'est pas. Ça c'est. Mais non, ça c'est Suikoden 3, on veut pas voir. Congratulations! You finish jeu. Et Nanami? Elle est où Nanami? Bon, qu'est-ce qui se passe? Nanami, elle est morte ou pas? En vrai, allez-y, spoiler. On se spoil. Allez-y, spoiler tout.